L'actualité de ce mercredi 27 juin, bonsoir. Drame familial à Condemasque ce matin. Kouchbou Badruddin Rojo, 46 ans, une ressortissante indienne a été tuée. En toile de fond, une affaire d'héritage. Le suspect, Orzad Rojo, 52 ans, son beau-frère, a été arrêté. Il a avoué avoir agressé sa belle-sœur. La victime devait se marier dans un mois. L'autopsie a attribué son décès à un compression of the neck. La speaker de l'Assemblée nationale a expulsé le député MMM Rajesh Bhagwan. Cela s'est passé juste après la reprise, lors de l'examen des dotations budgétaires du ministre des Services financiers. Du coup, toute l'opposition a fait un walk-out. De son côté, Maya Hanumanji parle d'un acte prémédité. « Je savais qu'ils allaient faire un walk-out », a commenté la speaker après leur sortie. Le Parlement a été ajourné au vendredi 29 juin à 15h. Le Brésil joue sa survie dans cette Coupe du Monde 2018. Une défaite entraînerait l'élimination de la Seleção, ce qui serait une véritable catastrophe pour un pays décrit comme le principal favori du titre mondial. Face à la Serbie, les coéquipiers de Neymar vont tenter non seulement de gagner, mais aussi de se rassurer au niveau du jeu. Merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur l'express.mu.